la population est anxieuse. Ils ont envie de connaître plus de, ils ont envie de gagner plus de détails sur tout ce que Roche Bada fin dire. Certainement, concernant sa existence, une mafia au sein du gouvernement, au cœur même du système MSM. Mais maintenant, nous pouvons inviter Roche Bada à aller plus loin dans ce démarche et venir expliquer à la population tout ce qu'il connaît concernant l'existence de la mafia-là. Vous trouvez aussi qu'Aniru Jagnat n'a pas fait une démenti. Il n'a pas démenti quand il y a une mafia qui existait, etc. Il n'a pas démenti, il ne pas connu, il ne faire l'enquête. Roche Bada, il n'a aucun doute, pour un membre valable de l'opposition, nous pas que lui dans l'opposition. Roche Bada, c'est mon colissier, il est toujours un camarade. Vous voyez qu'il est arrivé à l'avenir. Mais moi, je suis welcome lui dans l'opposition, certainement. Maintenant, la conférence de presse de Aniru Jagnat, mais tu quoi, il y a encore Premier ministre. Et c'est ça tout le problème. Ce n'est pas un ministre manteau qui me causait, c'est un Premier ministre qui vient de menace du monde, etc. Mais il est indécent qu'il prend la place de Pravin Jagnat, qui ne nous fallait pas oublier, nous capable oublier, dit c'est lui le Premier ministre. Confirmation qu'il nous a des premiers ministres en poste dans sa gouvernement. Autant au gouvernement, pendant 10 ans, pourquoi nous connaissons ma fille à qui Roche Bada fait référence à la rue? Moi, je me tente beaucoup d'affaires. Je suis en preuve, c'est bon. Je fais une cause avec CP du même hier et je fais une assurée qui nous peut très respectueux de la loi en vigueur et de l'engagement de fin prend avec la police. En tant que l'opposition, nous conscients que c'est le gouvernement alternatif, l'opposition parlementaire, c'est le gouvernement alternatif, et nous n'avons aucune intention, donc pas respecter nos engagements et envers la police et ben la loi de l'île Maurice. Et c'est pour cela donc que me permettent d'inviter tout ban mauricien, toute la population, de venir sans crainte marcher pacifiquement avec l'opposition demain à partir de 3 heures. Nous pouvons faire ça à l'appel. Que Bandimoun vini habillé en noir pour aussi indiquer que c'est d'accord, que c'est un jour de deuil pour la démocratie. Demain, c'est un regroupement des forces de l'opposition, mais aussi nous pouvons inviter toutes les forces vives, toutes les associations, etc. Ce n'est pas une alliance de l'opposition, loin de là. C'est non plus une plateforme commune de l'opposition. Oui, c'est une invitation pour le public. Il y a une raison, on va pas dire un venir, toi venir. Donc là, il y a une raison. Une invitation pour le public, on va pas dire Boris Travail, venir, mais c'est moi, solidaire, pas venir. C'est le leader du Boris Travail qui nous peut inviter. Cette nomination, Sisanka, qui est un expert comptable, en tant que ministre des services financiers, bonne gouvernance, moi, je trouve ça une nomination maladroite. Maintenant, si un ministre qui n'a une caisse, qui peut poursuivre, pas une situation bien grave, qui ne prend 150 000 dollars, il met dans un compte en banque, qui vous prend sa ministre-là, mettez le ministre coopératif, bon, il est capable de passer. Puis vous mettez le ministre service financier. Vous pouvez venir la risée du monde entier, vous autres. Quelle manière maintenant, faire un jour le Reporting Council, pour prendre action contre son propre ministre. Finalement, vous trouvez qui, dans ce remaniement-là, une guerre de certificat d'incompétence livré de part et d'autre. Guyane, nous tout connaissons pas, c'est content de la santé. Il est dans le tourisme. Vous notez que Guyane, quand il est ministre touriste en 2004 et 2005, combien de croissance c'est non? Ça n'est pas checké. 2004, 2%. Osnou, administration régionale, qui prend récit même vin avec Sauvane Réforme, et surtout à M. Groupen, qui fait un désastre total à l'intégration sociale. Je connais le ministre là très bien. Madame Monti fait une rate au départ. Hein? Il fait annoncer en circonscription, il peut venir ministre. Alors là, il l'a annoncé trop bonheur. Tout juste un petit poste misère, PPS. Alain Wong, lui, je trouvais qu'il y a des ministères avant, civil service à l'environnement. Je supposais qu'il peut faire dans l'environnement, s'il attend un bout, papa. Et il reste avec l'intégration sociale. Premier ministre devant moi, il dit, nous avons regretté mon nom de ministre de l'Environnement.